Predigt Sosa, der Bio-Ackerbautag, findet heute auf Ihrem Betrieb statt. Wieso haben Sie auf Bio umgestellt? Alors bonjour, moi c'est effectivement le passage au bio, c'est fait il y a déjà bien quelques années, il y a environ 10 ans. Et puis pour moi c'était un impératif de passer après avoir réfléchi à ce que j'allais vraiment vouloir faire de mon exploitation à l'avenir. Puis, pour moi c'était clair que se passer de tous les intrants chimiques et tous ces produits, c'était sûr que je voulais m'en passer, je voulais plus du tout utiliser ça. Mais pour y arriver, il a fallu faire plusieurs passages, plusieurs changements sur l'exploitation, dont le biogaz, pour y arriver. Mais c'était une volonté il y a déjà 10 ans. Hein. Puis le but pour moi, c'est d'être sur mon exploitation, seul, libre, et puis de n'avoir aucun lien avec quelque autre firme ou quoi que ce soit, de semences, etc. Je veux être libre, faire comme je veux, développer des produits de niche, des lentilles, etc. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Puis en bio, on peut le faire. Conventionnel, c'est beaucoup plus dur. Was sind die größten Herausforderungen im Bio? Alors, les grosses difficultés, à mon avis, c'est surtout les cultures comme la pomme de terre, le soya, aussi les légumes. Ça, c'est des cultures un peu plus difficiles. Mais le plus difficile, je pense quand même pour moi, de façon générale, c'était de se faire, comme l'année passée, où l'année était catastrophique au niveau des rendements, c'était de s'y faire à ces rendements, entre guillemets, nettement moins importants qu'en conventionnel. Et ça, psychologiquement, c'est pas toujours facile. Mm-hmm. Voilà. Was macht Ihnen besonders Freude am Biolandbau? Alors, le plus important, c'est que j'ai retrouvé l'amour de mon métier, quoi. La passion de mon métier, ça c'est le plus important. J'avais relativement perdu cette passion, je trouvais que c'était assez terne après quelques années, parce que ben, les choix de produits et tout, finalement, c'est assez... Voilà. Il y a, d'année en année, ça ne change pas beaucoup. Tandis qu'en bio, chaque année, ça change. Chaque année, il y a des défis. Chaque année, il faut concilier météo, il faut concilier état du sol, état de la culture, etc. Et c'est ça que c'est là, les défis. C'est là que les connaissances de l'agriculteur font la différence, à quelque part. Et puis, c'est là que moi, ça me motive. Je ne dis pas que je suis le meilleur, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai beaucoup à progresser, mais c'est là que j'ai de la marge à progresser. Qu'avant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus tellement de marge de progrès. Vielen Dank und vielen Erfolg. Weiterhin auf dem Betrieb. Merci.